Je m'en doutais. La dernière statue de purification se trouve de l'autre côté du portail. Je m'en doutais. Bon, cependant, il faut que j'aille... Oh, oui. Alors, en effet. Viens, toi. Tiens. Ah, mais je n'abusais pas de ton hospitalité, hein, mon frère, mon mec. Frère. Ah, pff, oula, je sais plus ce que je dis. Je vais dire mec, mais j'ai rajouté mon avant, et puis... Typo, j'étais. Alors, ça, c'est une chose de faite. Donc, la quête de Ryder, l'implacable, est terminée. Il me reste juste à montrer que Gelu est décédé au village. Et nous partirons juste après pour le portail. Tiens. Pour explorer ces ruines. Ah, merci. Bah, j'ai déjà tout pris en fait, mec. Mais j'ai surtout le 1500 d'XP, ce qui est pas dégueulasse. Eh ben, nous allons nous rendre à ce portail. Moi, je suis curieux de ce portail. Ça fait deux bonnes heures là que j'y joue. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une aussi grosse session. Bon, j'ai toujours les deux débiles là. Il y a toujours deux débiles qui savent pas où aller. J'aurais pu passer par là, par contre. Alors, ce portail qui a décidé de s'activer. Où est-ce que ça va bien m'amener? Ces ruines ne sont pas celles, dit le Farm. S'agit-il de votre village natal? C'est ton village? J'ignorais que tu étais originaire d'un village du Marais. Tu as dû avoir une enfance difficile. Cet endroit n'est pas celui que nous cherchons. Quelque chose ne va pas. Nous sommes proches de notre destination. Existe-t-il d'anciennes structures, dit le Farm, près du village? Si c'est le cas, c'est là que nous devons nous rendre. C'est là que nous devons aller. Toutefois, seule une grande puissance a pu détourner notre arrivée aux ruines, même si celles-ci sont toutes proches. Quelque chose de plus puissant que de la téléportation? Parfait. Nous devons être prudents. Le responsable de cette perturbation est peut-être encore dans les parages. Il se peut qu'il s'agisse d'ennemis à notre recherche, ou de... Entendez-vous ce bruit? On dirait... les pleurs d'un enfant. Oui, je suis d'accord. Bien que je craigne qu'il n'y ait aucun survivant, il serait précieux de trouver un témoin qui puisse nous décrire ce qui s'est passé. Suivons la voie qui s'offre à nous. Mais n'oublions pas que nous devons à tout prix trouver les ruines que vous avez mentionnées. Mince, qui... comment ça se fait, c'est... La vache... Oh mon... Dieu... Oh... Merde... Oh non... Georges! Oh là là, la destruction totale. Cadavre. Alors les maisons, même pas la peine d'y penser. Frère, non! Farmering, qui va me soigner maintenant? Le son vient de par ici. Les pleurs d'enfants sont très forts. Quel est cet endroit? Cet endroit semble familier. Ce n'est pas le son en lui-même, mais la vibration dans l'air qui l'entoure. Elle est presque métallique. La vibration est forte, très forte. Cet endroit est sacré. Une fois que nous en saurons plus, nous devrons y revenir. Vous êtes sûr? Il y a pas un... Du coup, il y a pas d'enfant. Enfin, j'espère qu'il y a pas d'enfant. Oh là là, c'est grave. Vers le marais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a qu'une seule zone. Ok.
Ah, je peux faire. Ah, je peux faire aller-retour vers la carte du monde. Alors. Est-ce que. Ah, non. Je peux pas. Je ne peux pas. Ok, bah je vais continuer. Je pensais pouvoir faire juste un tout petit. Tout petit aller-retour rapide. Pour vider mon sac, mais je n'ai pas droit. Bon. Eh ben, on va. J'ai envie quand même de savoir ce qui se passe. Je vais continuer encore. Oh là là, c'était au tout début du jeu, c'était il y a déjà si longtemps pour moi. Ah, mais oui, les ruines du gardien, c'est un endroit que j'avais vu, je savais pas trop si je pouvais y aller, c'était fermé, et maintenant je peux y aller. Oh là là, le storytelling! Incroyable. J'attends que les deux clampins là arrivent. Voilà, pour y aller. Ah bah la porte elle est ouverte maintenant. Bah oui, ça change tout du coup. Elle n'est pas scellée. Je pense pas que les scellés aient pu être enlevés par le magicien qui soit à force de sa volonté. Ouais, ça veut peut-être dire que la bagarre. Moi je pense pour une bagarre. Par les dieux, qu'est-ce que ceci? C'est un ravageur des ombres. Un captif du roi des ombres. Derrière lui se trouve la statue de purification. Vous avez fait un long chemin. Voilà. Le pouvoir reste à suivre. Quelqu'un s'en désembarque. Mais ça ne vous arrêtera pas. Quelqu'un d'autre a entrepris le rituel de purification? Mensonge. Mais cela n'a pas d'importance. Le voleur n'a pas accompli le reste du rituel. Il n'a pas les parties qui sont en sa possession. Le flou mort et les autres statues détruites. Rien ni personne ne pourra se poser à lui. Cela signifie que tant que celui qui a accompli le rituel est en vie, nous avons un espoir. Tout ce que nous avons à faire, c'est de vous vaincre. Vous ne pouvez pas m'arrêter. J'ignore pourquoi les élites ont utilisé les autres comme excuse. Mais c'est fait un gâchage sans comprendre. Je me demande également comment le roi des ombres a pu s'abaisser à faire appel à vos services. Mais le simple fait que vous ne puissiez échapper à son emprise témoigne de votre faiblesse. Faiblesse? Mon pouvoir est amplement suffisant pour venir à bout de vous et pour faire de ces héroïnes à votre temps. Venez à me laisser. Je retrouverai ma puissance au ballon du Bardelin. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Si vous cherchez à vous protéger, bon, excusez-moi, mais. Excusez-moi, moi je veux juste la bagarre. Alors, déjà, full bagarre et une aura de purification. Parfait, ils se sont tous mis où je voulais. Et ça ne sert absolument à rien. Ah, je suis. Excusez-moi, j'étais où? Je suis. Ah. Voilà, c'est lui que je veux. C'est bon? Oh, ça allait si vite. Mais nous n'avons gagné que du temps. La victoire n'est pas encore acquise.
Nous n'avons fait que le repousser. Il reviendra. Et cette fois, il ne sera pas seul. Non. Mais il n'en est nul besoin. Nous devons trouver la personne dont le ravageur nous a parlé. Celle qui a accompli le rituel. Nous aurons besoin de son aide pour vaincre le roi des ombres. Mais nous n'avons pas la moindre idée de qui cela pourrait être. Dire que nous avons fait tout ce chemin pour rien. Pour rien ? Nous avons accompli 4 parties du rituel. Nous avons appris que quelqu'un a déjà accompli la 5e. Et surtout, nous savons que l'ennemi craint nos plans. Je sais. Je me dis juste que nous devrions faire quelque chose. Cette route touche à sa fin, mais je pressens que d'autres s'ouvrent devant nous. Ne perdons pas espoir. Nous disposons de 2 armes pour abattre le roi des ombres. Le rituel complet et une épée Gitianki reforgée. Quoi qu'il advienne, nous aurons besoin de l'épée. Suivons cette voie et peut-être la seconde nous sera-t-elle révélée. La personne qui a accompli le rituel l'a fait pour une raison précise. Une raison qui la poussera à nous rechercher. Personne n'irait accomplir ce rituel sans une bonne raison. Celui ou celle qui a cherché à le faire avait pour objectif de blesser le roi des ombres. Mais pour cela, une lame d'argent est requise. Ces recherches l'entraîneront sur un chemin qui, inévitablement, va nous conduire. Surtout si nous avons une lame d'argent en notre possession. Amon Jero en savait long sur les lames d'argent des Gitianki. Notre seule option, nous devrions retourner au fort de la Croisée consulter Aldanum, le gardien du savoir qui était emprisonné avec nous. Oh, ça va nous être très utile. Il en sait beaucoup sur Pas d'hiver. Il se peut qu'il puisse nous aider. Très bien. Très bien. Je suis navré, mais oula. J'ai un peu cliqué au hasard. Ah oui, c'est vrai. Putain, c'est vrai. Putain, faut que je bouge des trucs. Comment ça se fait que je suis trop lourd? Ah là là. Bon. Portail. Quoi? Pourquoi il y a un portail? Est-ce que je tente le portail? Une robe de la main brillante. Ouh. J'en connais une. J'en connais une à qui ça va plaire. Modificateur, perception par moine. Oui, bon, écoute. Elle pourra l'utiliser. Amulette, tiens. Et pièce d'or. Voilà. Un petit peu de repos. J'ai très très envie de prendre ce portail. Je vais quand même le faire. Mais ça expliquerait pas mal de choses. Et donc là, dans mes quêtes, il faut que je retourne voir le fort de la Croisée. Parfait. Très bien. Je vais quand même prendre ce truc. Oh, et je retourne ici. Parfait. Eh bien, c'est impeccable. Écoutez, je pense que l'on va s'arrêter là. Cette session aura été assez longue pour moi, ça fait très longtemps que j'en ai pas refait une comme ça, et j'espère que ça vous a plu. On est quand même sur une quête qui nous a permis d'obtenir 4 pouvoirs, 4 dons supplémentaires qui vont être très importants, énormément d'objets. Va falloir que j'aille vendre un peu de merdier, que j'aille faire des concessions, parce que là, mon inventaire est rempli de partout. Donc, ce que je vous propose, c'est que on s'arrête là. Je vous remercie d'avoir suivi cette session en ma compagnie et les épisodes qui ont suivi dans toute cette quête des statues du rituel dans les ruines d'Arvan. Prochaine session, je ne sais pas quand, mais très vite, c'est sûr et certain. Je vous invite, comme d'habitude, à mettre un petit pouce en l'air, à commenter la vidéo, à me suivre sur Twitter et à me rejoindre sur Twitch, où je suis présent quasiment toute la semaine. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights 2.